Eh bien les amis, heureux de vous accueillir à nouveau sur ma chaîne Mélovinyle pour aujourd'hui le deuxième unboxing de la chaîne. Donc le premier, je vous mets le lien par là, je unboxais une musique de film si vous vous en rappelez. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah allez-y, hein, je vous laisserai le lien. Donc avant tout,
un grand merci à tous mes nouveaux abonnés. On est rendu à 195 abonnés, donc grand merci à vous tous. Merci de me faire confiance surtout. Hein. Donc oui, aujourd'hui, sortie officielle d'un album, d'un gros coffret, d'un groupe mythique de thrash metal, groupe originaire de Californie, formé à Los Angeles en 1981. Un groupe qu'on ne présente plus du tout. Il est devenu totalement mythique. Hein. En quelques années, il est devenu totalement mythique, ce groupe. À chaque fois qu'il y a un album qui sort, qu'il y a un concert, c'est un événement. Donc là, évidemment, aujourd'hui, ce coffret-là, que je possède, que je n'ai pas encore ouvert, eh bien, c'est un événement sorti officiel aujourd'hui. Donc on va faire ça tout à l'heure ensemble. On va le boxer ensemble. Hein, voilà. Donc, évidemment, si vous êtes un petit peu curieux, si vous avez reconnu, vous avez observé un petit peu la miniature qui concerne cette vidéo, vous avez pu reconnaître une police d'écriture qui est très reconnaissable du premier coup d'œil. Évidemment, je vais vous parler d'un groupe mythique qui est Metallica. Hein. Donc Metallica, comme je vous disais tout à l'heure, est un groupe de thrash metal originaire de Californie. Hein. Et qui a été formé en 1981 par deux personnes, hein, James Hetfield et Lars Ulrich. Hein. Donc, va arriver en 83 Kurt Cammett, hein, guitariste solo, et Robert Trujillo en 2003. Mais évidemment, avant cette section définitive du groupe, hein, pour 2020, on va dire, il y a beaucoup de membres du groupe qui ont fait partie de ce groupe, hein, bien sûr. On a évidemment en 81 le premier guitariste, il sera Lloyd Grant. Hein. De 80 à 82, on aura Rock McGoney à la basse. On aura Dave Mustaine, ex-membre du groupe Megadeth et fondateur aussi du groupe, hein, qui sera en lead guitare. Et qui sera là lui entre 81 et 83. On aura Cliff Burton à la basse, hein, de 82 à 1986, qui malheureusement sera la date de l'année de son décès, bien sûr. Hein. Et Jason Newsted à la basse aussi de 86 à 2001. Hein. Après arrivera une personne qui s'appelle Bob Rock. Hein. À Bob Rock, qui est Bob Rock? Bah, Bob Rock est un bassiste et a été le producteur du groupe aussi pendant 1990 à 2003. Hein. Juste avant l'arrivée évidemment de Robert Trujillo. Hein. Donc c'est Bob Rock qui a longuement collaboré avec le groupe. Hein. Et a été justement le bassiste uniquement en studio, hein, de 2002 à 2003. Hein, il a été le bassiste temporaire, voilà, en attendant que Robert Trujillo arrive dans le groupe. Voilà. Hein. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le groupe il va se former en 80. Et il va se former un peu bizarrement, c'est-à-dire que c'est Hetfield qui va se rendre à une annonce postée dans le journal local. Et cette annonce avait été postée par Lars. Donc là, va commencer une collaboration avec ces deux personnes. Et voilà, va commencer évidemment le groupe Metallica. Hein. Alors évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, plusieurs membres du groupe vont faire partie de ce band. Hein. Donc on arrive avec ce groupe à 10 albums studio quand même. 10 albums studio plus les lives évidemment. Hein. En 83, le premier album sera Kim Them All, voilà, que je possède en CD. Kim Them All. Donc c'est le premier album du groupe en 83, voilà, donc là je montre un petit peu l'intérieur, voilà. Tac. Après arrivera le deuxième album en 84, pardon, Red Lighting, hein, avec la fameuse chaise électrique, là, hein, l'arrière, et l'intérieur, bon les CD sont classiques, hein. Les CD sont vraiment classiques, je vous en montre un, ils sont à peu près tous pareils, hein. Voilà. Ils sont tous pareils. Voilà, après on va arriver en 86 avec un de leurs meilleurs albums, Master of Puppets. Voilà, certainement un des préférés des fans, Master of Puppets. Reconnaissable avec toutes les croix là, hein, des pierres tombales. Voilà, donc superbe album celui-ci évidemment, hein, très très bon. Hein. Hop, voilà. Donc celui-là, je l'ai en boîtier normal, je ne l'ai pas en digipack. Après, arrivera derrière l'album Justice for All. Hein. Voilà, Justice for All. Très très bon album aussi, hein. Très très bon. Donc l'arrière. Voilà, là on voit un petit peu le groupe aussi, là, ici, là. Hein. Voilà. Et évidemment, va arriver l'album éponyme en 91, l'album que tout le monde connaît.
le fameux Black Album. Hein. Évidemment, dedans, on y retrouve des titres très forts, comme évidemment Enter Sandman, Unforgiven, et le fameux Nothing Else Matters. Hein. Donc ça, c'est l'album en CD que je possède. Je l'ai évidemment aussi en vinyle. Hein. Non, je vous montre là, évidemment, ça. Donc le Black Album, évidemment, parce qu'on a beaucoup de mal, évidemment, à voir le serpent et le fameux Metallica qui apparaît ici sur le coin, là. Hein. Voilà. Donc je vais vous montrer le vinyle, parce que je l'ai aussi en vinyle. Voilà le vinyle. Voilà, voilà le vinyle. Avec vraiment le serpent à l'arrière en surimpression, c'est super beau, ça. Hein. Voilà. Donc, je vais vous montrer le... Dedans, il y a une petite leaflette, évidemment. La petite leaflette, voilà. Avec les noms du groupe. Donc cet album-là, bah voilà, c'est un classique, hein. C'est un très très grand classique de Metallica. C'est un album qu'on ne présente plus du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà. Je vais vous montrer le vinyle. Voilà. Donc ça sonne très très bien. Aucun souci là-dessus. Les deux vinyles sont pareils, hein, il y en a deux. Hein. Voilà, ça sonne très 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 bien. Après, par contre, les autres albums, je ne les ai pas. Hein. Je sais qu'il y a le Load, le Reload. Il y a le Saint André. Voilà. Et moi, je possède en CD, je possède celui-ci, le Death Magnetic. On est en 2006, je crois, c'est ça. Voilà, c'est 2006. Hein, 2006, le Death Magnetic. Voilà, donc très très bon album aussi. Puis récompensé, la plupart des albums de Metallica ont été récompensés au Grammy Award, faut le savoir. Hein. Voilà. Donc ça, c'est très très bon. Hein. Voilà. Hop là. Voilà. Et moi, j'aime bien le petit l'effet du cercueil. C'est vraiment génial, ça. C'est vraiment très bien fait. Voilà pour tout ce qui concerne mes albums en CD de Metallica. Et le dernier album en date sera en 2016, le Hardwire To Save To Destruct, hein, que moi je trouve pas vraiment super super. Je l'ai pas celui-là parce que je l'ai pas trouvé extraordinaire cet album. Hein. Par contre j'en ai un qui est une sorte de compile, on va dire. C'est des morceaux qui ont été retravaillés. Hein. C'est le Garage ENC. Garage ENC de Metallica. Voilà, j'ai celui-ci que j'adore. J'adore cet album. Hein. Dedans, mention spéciale pour un titre que j'adore, même encore plus que Nothing Else Matters, c'est Turn the Page. Ce morceau est juste sublime, c'est une sublime balade, vraiment. Hein. Donc on voit le groupe à l'arrière, évidemment. Hein. Superbe. Et là, je vous montre un petit peu le Gatefold, parce que c'est un Gatefold, c'est un double album. Donc cet album est vraiment génialissime. Enfin, moi, personnellement, j'adore cet album de Metallica. Voilà. Je vais vous montrer le vinyle, bien sûr. Alors, dedans, il y a aussi une petite leaflette, je vais vous montrer la leaflette. Je vais sortir la leaflette et le vinyle en même temps. Il faut savoir que Metallica, c'est un groupe qui a été présenté au Hall of Fame. Alors, qu'est-ce que c'est le Hall of Fame? Ben, le Hall of Fame, c'est une institution qui récompense les plus grosses carrières des artistes. Hein. Tous les plus gros groupes sont passés au Hall of Fame. C'est vraiment, le Hall of Fame, c'est vraiment le summum de ce que vous pouvez avoir en tant que musicien, que groupe. Hein. Vraiment, quand vous êtes reconnu par le Hall of Fame, c'est que là, vous avez une carrière qui a marqué indéniablement la musique. Hein, qui a apporté énormément de choses à la musique aussi. Hein. Donc des groupes comme Led Zeppelin, Kiss, Toto, Sting avec Police, Foreigner, qu'est-ce qu'il y a comme groupe encore? Les Eagles aussi ont été récompensés. Enfin, il y a plein de groupes mythiques qui ont été récompensés par le Hall of Fame. Alors vous êtes vraiment au-dessus de tout ce qui est Grammy Award. Hein, vraiment. Là, c'est vraiment l'ultime récompense, le Hall of Fame. Enfin, ça, faut le savoir. Hein. Donc là, évidemment, la petite leaflette. Hop. Hein. Donc là, évidemment, on retrouve pas mal de photos du groupe à certaines époques. Hein. Et évidemment, ici, le vinyle. Les deux sont pareils. Hein. Les deux sont strictement pareils. Voilà. Donc c'est pareil, ça sonne super bien. Bon, il faut aimer le thrash metal. Hein. Voilà, c'est du thrash metal, c'est pas du glam. Comparé à Kiss, voilà, Kiss, c'est beaucoup plus glam. C'est beaucoup plus FM, on va dire. Beaucoup tranquille. Mais on reste quand même avec Metallica, toujours avec des mélodies, des morceaux très mélodieux quand même. Ça, faut pas le nier. Metallica a des morceaux très très mélodiques. Hein. Et enfin, moi j'adore Metallica.
Je suis un peu moins fan de certains membres du groupe, parce que je trouve qu'ils ont une grosse tête. Je trouve qu'ils ont une énorme grosse tête. Ça, j'ai un peu de mal, par contre, avec certains personnages, comme par exemple Lars, le batteur. Hein, parce que c'est lui qui mène le groupe. Hein. C'est vraiment lui qui mène le groupe. C'est lui le boss un peu du groupe. Hein. Et ils sont jamais passés au Hellfest. Hein, voilà. Ils sont jamais passés au Hellfest, parce que je pense que ça les intéresse pas du tout. Ils remplissent des stades de France. Donc, à quoi bon aller dans un festival comme le Hellfest? Ils passeront jamais, ça c'est sûr et certain. Et puis bon, Barbeau a bien dit, hein, le directeur du Hellfest, il a bien dit avant qu'il ne ferait pas venir Metallica si Metallica demandait une somme énorme. Il n'a pas envie de supprimer quelques petits groupes pour en sortir un gros, ce que je comprends tout à fait, c'est tout à fait normal. Je pense que des groupes comme Metallica, qui ont maintenant une renommée mondiale, hein, pourraient faire un effort financièrement. Franchement, moi c'est mon point de vue, vraiment c'est mon point de vue. Hein. Voilà. Donc, Garage INC, très très bon album, superbe. Album de Metallica, voilà. Et évidemment, va arriver en 1999, c'est un petit peu l'objet de l'unboxing d'aujourd'hui, hein, va arriver en 1999 un live un peu spécial, SNM. Hein. Donc c'est le mélange de métal et de symphonique. Hein. Donc ils vont faire appel à un très grand compositeur qui va tenir la baguette, hein, qui va mener cet orchestre symphonique de San Francisco. Ce compositeur n'est autre que Michael Kamen, qui malheureusement va décéder en 2003. Hein. Mais ils vont faire appel à Michael Kamen pour diriger cet orchestre. Et ça va être un concert mais mythique et génialissime. Hein. Donc il faut se rappeler quand même que Michael Kamen, pour vous rappeler rapidement, c'est le compositeur de Life Force, Highlander, entre autres, hein. L'arme fatale, les armes fatales, les Die Hard, Permis de tuer, un James Bond, Last Action Hero, bien sûr, Robin des Bois, rappelez-vous Robin des Bois, le morceau, le thème que vous entendez en... le premier morceau que vous entendez sur la BO. Eh bien, si vous êtes un petit peu observateur, vous écoutez bien, c'est Disney qui a repris ce titre-là. Disney l'a beaucoup repris pour faire leur trailer, leur pub et tout. Ouais. Et c'est le morceau justement de Michael Kamen. Hein. Évidemment, il y a aussi les X-Men et le fameux score de Roadhouse. Rappelez-vous, je vous avais présenté le Various de Roadhouse. C'est lui qui avait réalisé le score. Voilà, Michael Kamen. Donc, en 1999, va justement sortir ce live, hein, que je possède, évidemment, en CD et en vinyle. Je vais vous montrer en vinyle, je vais pas sortir en CD, ça sert à rien. Je vais vous le montrer en vinyle. Voilà, c'est ce fameux Metallica. Voilà, celui-ci. Et ça, je peux vous assurer, c'est une bombe. Une bombe. Ça, c'est génial. Franchement, c'est génial. J'espère que le deuxième va être aussi bon. Donc voilà. Un superbe concert de Metallica avec Michael Kamen à la direction musicale. Hein. Donc là, vraiment, on va avoir que du bon. Donc je vais vous montrer le vinyle, hein, quand même. Hein, on est là aussi pour ça. Donc, hop, voilà, la petite pufflette. On voit tout l'orchestre symphonique. Moi, j'adore. Moi, franchement, j'adore. Il faut savoir, en plus, que jouer avec un orchestre symphonique, c'est vraiment pas facile du tout. C'est un exercice qui demande beaucoup de maîtrise. Beaucoup, beaucoup de maîtrise. Donc, tous les groupes ne peuvent pas prétendre de jouer avec un orchestre symphonique. C'est assez difficile. Hein. Voilà. Toto l'a fait. Kiss l'a fait aussi. C'est pas facile du tout, hein, je vous assure. Ouais. C'est un exercice périlleux, très périlleux. Donc hop, bon je remettrai ça tout à l'heure, j'arrive pas à le remettre, je vais montrer le vinyle. Alors le vinyle, voilà. Donc ça c'était en 99, le premier concert SNM. Hein, voilà. Voilà le vinyle, ah, ça sonne super bien, très très bien. Donc c'est vrai que de mélanger les instruments comme la basse, la batterie, la guitare, rythmique et soliste, avec évidemment mélanger tout ça avec des cordes, des violons, c'est juste sublime, moi j'adore ça, j'adore, franchement j'adore. Il y a aussi Winning Temptation qui l'a fait aussi, Winning Temptation l'a fait aussi. Ah, franchement c'est excellent. Ouais. Donc voilà, voilà voilà en ce qui concerne ce concert mythique, hein. Vraiment qui était très 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 bon, je vous le remontre, Metallica with Michael Kamen, San Francisco, Orchestral, génial, super cet album. Voilà, et donc, évidemment, on arrive à ce fameux jour, hein, du 28 août 2020,
Et là va sortir justement le deuxième SNM. Hein. Voilà, tout simplement. Donc c'est un concert qui a été filmé les 6 et 8 septembre. Hein. Et il marque aussi l'inauguration historique du Chase Center. Hein. Et de la nouvelle et moderne Arena, tout simplement. Voilà. Hein. Alors évidemment, bah, ils vont jouer tous les classiques qui avaient été joués déjà en 99 et évidemment des nouvelles chansons, c'est logique. Hein. Et en fin de compte, bah, c'est diffusion. En fait, ce concert-là va être diffusé au cinéma. Ça va être diffusé au cinéma, ce qui va amener à des millions de fans bah, une expérience nouvelle, tout simplement. Hein. Et bah, voilà, c'est vraiment génial. Donc là, je vais ouvrir ça avec vous. Donc là, c'est le SNM 2, hein, sorti officiel aujourd'hui. Donc on va ouvrir ça tous ensemble. Allez, j'installe un petit peu tout ça là pour être à l'aise et puis je reviens tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors évidemment, avant de vous montrer le unboxing, je vais quand même vous parler du nouveau chef d'orchestre qui va diriger justement ce fameux concert SM2. Attention, c'est un concert qui sera diffusé au cinéma en octobre. Hein. C'est très exclu au cinéma, il faut le savoir. Et qui marquera aussi le 20e anniversaire des concerts à SNM de Metallica. Hein. Et surtout de ses concerts enregistrés avec l'orchestre de San Francisco. Voilà. Donc, le nouveau chef d'orchestre s'appelle Michael Tilson Thomas. Hein. Donc, c'est un compositeur, chef d'orchestre et pianiste américain. Hein. Donc, faut savoir, bah, moi, je connais pas trop ce monsieur. Hein. Faut savoir qu'il a quelques compositions à son actif quand même. Donc, le From the Diaries of Anna Frank, Showa Showa. Composé pour le 50e anniversaire du bombardement d'Hiroshima, hein, ouais, si on peut dire que c'est un anniversaire, et Poem of Emily Dickinson, et aussi un film, Urban Legend, ça c'était un film d'horreur si vous vous en rappelez, hein, un film dans les années 90 je crois, Urban Legend. Donc voilà, donc on va directement commencer l'unboxing, donc vous allez voir, j'ai essayé de faire une petite chose, vous allez me voir filmer face à vous, et il y a aussi une caméra, mon portable qui va filmer la table, hein, pour que je puisse étaler après le vinyle et que vous puissiez voir le vinyle. On va voir ce que ça donne, vous me direz dans les commentaires si ça l'a fait ou pas, hein, d'accord. Allez, on va démarrer tout de suite, c'est parti. Donc, allez, on va démarrer ça. Donc, le colis est ici, voilà le gros colis. Voilà le colis, donc évidemment, j'ai le petit cutter qui va bien pour défaire tout ça. Donc, hop. J'ai fait ça là, hop, hop, tac, oh, 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 oh. Il est bien protégé, hein. Je sais pas si vous voyez là, hein. Les mousses là, ici, là, ouais, vachement bien, super, franchement, là c'est nickel, hop, alors, voilà, le fameux coffret, je vous le montre ici face, voilà, évidemment, la face de devant, comme ceci aussi, voilà, allez, on va ouvrir ça tout de suite, hop. La toile, c'est vraiment superbe, vraiment superbe. Alors, est-ce que je peux décoller le petit... hein, ça me fait penser à Rock Moderne, ça. Et je suis un peu comme lui, moi. Les stickers, j'aime bien les garder. Alors, s'ils viennent bien tout seuls, parce que des fois, bah, c'est un peu le bordel, ils viennent pas tout seuls. Là, celui-là a l'air de venir. Hop, voilà, voyez. Il vient pas tout seul, celui-là. Bon, je verrai ça plus tard. On verra ça plus tard. Hop, j'enlèverai. Ah, tac, tac. Voilà, voilà. Donc, je vais mettre ça par terre. On va enlever, évidemment, le carton. Donc, on a vraiment un superbe artwork, c'est vraiment très très beau, comme vous pouvez voir. Voilà. Voilà. On va ouvrir tout ça. Allez, attention, on ouvre tout ça. Et voilà. Génial. Génial, génial, génial. Hop, évidemment ça, je mets ça ici. Ah ouais, ouais. Donc, là, évidemment, on a... Ah bah c'est marrant ça. Le Blu-ray. Le Blu-ray du groupe, voilà. Ah, du concert, bien sûr. Hein. Voilà. Avec dedans une petite leaflette. Avec
Les chansons, bien sûr. Donc on y retrouve vraiment ouais, tous les classiques. On y retrouve tous les classiques. Voilà. Unforgiven 3, One, Master of Puppets, Nothing Else Matters, Enter Sandman, Call of Cthulhu. Bah ouais, on retrouve vraiment tous les bons titres. Bon, j'écouterai ça ce soir, en Blu-ray. Alors dedans, DTS HD. Ok. Voilà pour, évidemment, le Blu-ray. Évidemment, le CD. Voilà, le CD. Hop là. Superbe. Superbe, superbe. Voilà. Évidemment avec des petits médiateurs collecteurs. Les petits médiateurs collecteurs. Voilà. Superbe. Vraiment génial. Hein. Voilà. Alors, je les ouvrirai plus tard. Hein, vers ça. Je fais une petite photo sur Instagram pour les montrer. Voilà. Donc voilà, attendez, je vais vous les montrer là. Je vais les ouvrir ici. Hop, voilà. Je vais vous les montrer tout de suite. Voilà. Allez, on va pousser ça. Hop. Tac. Voilà, l'arrière. Ouais, ils sont pareils. Vous voyez. Ouais, ils sont vraiment beaux, les médiateurs. Oh, la vache. Ils sont superbes, les médiateurs. Très très beau. Allez, avec le CD là. Voilà. Superbe. Donc les CD, je vais vous les montrer. Évidemment. Voilà. Le deuxième. Superbe. Superbe, superbe. Allez, je ramasse tous les médiateurs. Allez, je le trouve vraiment super celui-là. Regardez celui-là. Là. Celui-là, il est excellent, je trouve. Il est vraiment excellent celui-là. Regardez ça. Avec le petit nœud-pape et tout, là. Vraiment bien. Hop. Des très, très bons médiateurs, en tout cas. Alors. Et là, une partition. Enfin, deux partitions. Ah, superbe. Deux partitions. Alors, je vous les montre là. Évidemment. Voilà. Je mets la première ici. Et la deuxième. Voilà. Les deux partitions. Superbe. Superbe, superbe, superbe. Alors, le coffret, pour l'instant, là, au top. Hein. Donc, après, on arrive au vif du sujet. Ah, pas encore. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, ça, c'est un poster, je suppose. Ça, je suppose que c'est un poster. Oh, oui, ça, c'est un poster. Ça, c'est un poster. Wow, 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 wow. Ouais. Super. Superbe poster. Et c'est M2. Un San Francisco Symphony. Superbe. Vous voyez, le 6 et 8 2019. September. Si c'est pas beau, ça. Vous avez vu un peu? Superbe. Je le mets là. Voilà. Vraiment de toute beauté. De toute beauté. Voilà. Pour le poster. Et ça, bah, c'est le petit livret. Alors, le petit livret. Donc, là, voilà, évidemment, on aperçoit les vinyles. Donc, je vais mettre ça en attendant ici. Et je vous remonte les vinyles après. Bon, eh bien, les amis, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous remontrer quand même correctement... tous les éléments du coffret de Metallica, le SM2, parce que c'est vrai que malheureusement l'unboxing, c'est quelque chose que l'on fait sur le vif, et je me suis aperçu qu'au niveau de du cadrage de mon téléphone qui était en hauteur et qui filmait avec la caméra avec l'autre caméra, bah c'était pas du tout cadré, c'était dégueulasse. Bon, l'image était bonne mais le cadrage était dégueulasse, donc là je recommence
quelque chose de correct, hein, que vous puissiez voir correctement. Hein, voilà, donc là, je vous montre évidemment le haut du coffret. Hein, voilà, très très beau coffret. Voilà. Ça, là, bah ouais, ça a l'air d'être un... Il y a 4 vinyles là-dedans, je crois que c'est ça, 4 vinyles. On va essayer de défaire ça correctement. Hop, voilà. Et ça va.
Vraiment simple, si c'est pas beau. Superbe artworks. Très très belle artworks. Alors on va ouvrir ça. Hop. Voilà. Wow. Ah ouais, c'est canon. Ah, ça s'ouvre comme un petit livre. Ça s'ouvre comme un livre en fait. Je sais pas si vous voyez. Ah, il est sublime le truc. Oh, ah la vache. Il est sublime. Vraiment simple. Ah, je vais montrer tout ça face caméra. Vous allez voir. Voilà. Hop. Si ça, c'est pas beau. Super bien fait là. Oh la vache. Au niveau du packaging là, c'est splendide. Hein. Ouais. Hop. Super. Allez, on va aller voir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, c'est ce qui m'intéresse hein, vraiment. Voilà. Le premier vinyle. Donc là, avec une sous-pochette, ça c'est bien, une petite sous-pochette avec l'antistatique, la petite pochette antistatique et le vinyle. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Orange et gris, superbe. Allez, regardez-moi ça, superbe. Superbe. Donc les quatre sont pareils, hein. Les quatre sont identiques. Hein. Les quatre vinyles sont identiques. Hein. Donc c'est vraiment... un très beau coffret, très très beau coffret. Donc ça c'est le plus gros coffret, hein. C'est le coffret ultime. Hein. Vous pouviez acheter vraiment les vinyles simples, hein, tout seul. Hein. Là maintenant, on va aller regarder l'autre, mais bon, ils sont tous pareils comme je vous ai dit. Hein. Mais bon, le système là, je trouve vraiment génial, superbe, pas mal du tout. Hein. C'est la première fois que je vois ça, ce système de gatefold comme un livre là. Ah, regardez celui-là, ah non, ils sont pas tous pareils. Hop, 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 ils sont pas tous pareils. Ah, attendez. Attendez, attendez. Non, je pensais qu'ils étaient tous pareils, mais pas du tout. Hop, regardez-moi ça. Hop, ouais, comme je découvre avec vous. Hein. Voilà. Un super splatter. Oh, il est magnifique, celui-là. Il est magnifique. J'achète pas beaucoup de gros coffrets collecteurs comme ça, mais celui-là, vraiment... J'avais tellement aimé le premier concert que celui-là, j'y allais, je me fais plaisir, je me le prends. Et franchement, je suis pas déçu. Hein. Vraiment pas déçu du tout. Le vinyle est de toute beauté. Vraiment toute beauté. Voilà, pour celui-ci. Hop. Donc là, hop là. C'était pour celui-ci. Il n'y a pas de petite leaflette, rien du tout, non. Ok, hop. Allez, on regarde l'autre. On regarde l'autre. Bah, l'autre, voilà, est identique. Hein. Voilà, on est bien d'accord. Voilà. Vous voyez. Et vraiment totalement identique. Donc je suppose que l'autre doit être comme l'autre. Hein? Voilà. Donc voilà, y a, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. C'est superbe. Voilà. Toujours avec ces petites pochettes antistatiques, ça c'est vraiment bien. Ça c'est bien pensé. Vraiment. Hop. Et regardez-moi ça un peu. Je vous remontre ça un peu. Enfin, c'est juste sublime. Hein. Avec les cymbales, là. Ah, je trouve ça mais génial. Génial, génial, génial. Et le dernier vinyle, bah, qui est, bah, voilà, qui est ça, qui est en splatter aussi, lui aussi, qui est en splatter. Voilà. Voilà, je vous le montre. Tout en splatter aussi. Superbe. Et voilà. Bah, autant vous dire que c'est un très très beau coffret. J'en suis très content. Hein. Bon. C'est vrai qu'à l'achat, il n'est pas donné. Faut compter 134 euros quand même. Voilà, je me suis fait plaisir. Hein. C'est voilà, c'est mon petit achat du mois. Voilà. Hein. Et voilà, sur un coffret comme ça, j'adore les lives. Je suis vraiment un fan de live. Donc là, pour moi, ça c'était. J'aurais beaucoup de mal à passer à côté. Voilà, je remonte face ici la caméra. Je vous montre là aussi. Voilà. Donc un très beau splatter. Hein. Vraiment superbe. Voilà, voilà les amis, en ce qui concerne l'unboxing du SM2 de Metallica. Voilà, voilà. Je vais le remettre dans l'autre sens celui-là parce que... Alors, mention spéciale vraiment pour ce système là de Gatefold que je trouve vraiment génial, que je trouve pas mal du tout.
Hein. Vraiment, je trouve ça sympa. Je sais pas si vous avez déjà vu ce système de gatefold. Bah, dites-le moi dans les commentaires. Hein. Bon, je vous le remontre encore, je le mets là. Voilà. Hein. Hop. Donc vraiment, superbe. Superbe artwork, ça. Vraiment. Rien à dire. Là, pareil. Superbe, superbe. Donc, très très content de cet achat, ça c'est clair. Voilà les amis, en ce qui concerne évidemment le coffret de Metallica. Hop, ah bah c'est dans l'autre sens alors. C'est dans l'autre sens. On va remettre ça là. Évidemment le coffret vinyle. Hop. Je mets tout ça dedans, le poster. Évidemment, les petites partitions. Alors, c'est des partitions de quel titre ça? Ah, j'ai pas du tout les titres. Ah si, attendez. Ah, c'est le titre All Within My Hands. D'accord, ok. Alors pour ceux qui savent lire les partitions, les musiciens, hein, voilà. Ben, superbe. Franchement, très content de mon achat. Très, très content. Donc, bon, les amis, si cet unboxing vous a plu, eh bien, n'oubliez pas le pape, le petit pouce bleu, l'abonnement. Et puis, ben, le partage sur vos réseaux sociaux, bien sûr. Hein. Donc, moi, ben, je vous dis à la prochaine vidéo. La prochaine, normalement, bah, ce sera celle de Michael. Hein, voilà. Et comme je vous ai dit, bon, bah, les vidéos, on va essayer de les réduire au maximum. Hein. Voilà, les amis. Bon, moi, je vous dis à plus tard. Je vous fais de gros bisous. Bonne rentrée, parce que là, bah, on y est. On y approche fortement. Hein. Donc, gros bisous à vous tous. Ciao. Bye bye.